on a fait toutes les grosses difficultés du parcours. Donc là, je sais que bah, je suis capable d'aller chercher un très très bon résultat. Et hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la cyclo-sportive La Babybel, la toute première cyclo-sportive que je fais cette année. Comment ils sont les garçons? Un peu stressé, j'ai pas l'habitude de partir derrière. Du coup là il y a 150 mètres. Il va falloir remonter vite parce que la première difficulté elle est à 15 km il me semble. Donc j'ai 15 bornes pour me remonter et me placer si je veux pouvoir prendre le groupe de tête au moment où ça va se jouer. Donc c'est un peu plus stressant que d'habitude où je pars devant. Mais ça va le faire. Objectif? Objectif, toujours le plus proche de la gagne, mais j'ai aucune idée du niveau, mais un top 10 ça serait déjà incroyable. À la prochaine. Bisous. Mais avant que la course ne commence, la vidéo est sponsorisée par TheBet, l'application de Paris Sportif. Donc pour l'occasion, je vous mets un code promo juste ici. Ça vous permet d'avoir 10€ en free bet sans même utiliser votre carte bancaire. Comme ça, vous pouvez tester et voir si ça vous plaît. Et avec ce code promo, quand vous mettrez votre première somme jusqu'à 50€, la somme est doublée. C'est cadeau. Pour ça, il suffit de vous inscrire, rentrer vos papiers d'identité pour prouver que vous êtes bien majeur, parce que oui, les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs. Et au moment de votre inscription, vous rentrez votre code promo et c'est tout bon. Et du coup, vous pouvez parier sur du cyclisme, bien évidemment, comme par exemple en ce moment le Giro, vous pouvez parier sur le classement général ou sur les étapes jour par jour par exemple. En tout cas, je remercie une nouvelle fois TheBet de m'aider à développer cette chaîne YouTube. Je compte vraiment sur vous pour aller dans la description si vous êtes majeur pour vous inscrire. Ça ne vous coûte rien, vous avez 10€ offerts pour vous amuser à parier et à tester. Ça aide à développer cette chaîne YouTube. Et encore une fois, je fais quand même des petits warnings, c'est interdit aux mineurs et c'est là pour s'amuser. Le but, c'est pas de devenir riche ou de perdre tout votre argent. Si vous le faites, c'est pour kiffer. Maintenant, place à la course. Allez, c'est parti pour 150 km avec plus de 1900 mètres de dénivelé positif sur cette cyclo-sportive La Babybel. Ça va être une cyclo-sportive sportive. Et vous allez voir qu'il va se passer énormément de choses sur cette course. Ça va être hyper intéressant. D'autant plus que, comme vous l'avez vu, je pars pas première ligne comme à mon habitude. Je pars assez mal placé tout simplement parce qu'il faisait vraiment pas beau avant le départ. Donc je suis sorti de la voiture vraiment au dernier moment afin de ne pas attraper froid. Donc là, j'ai une mission, c'est remonter le plus rapidement possible parce que la première difficulté se trouve à peu près à 15 km. Si je suis mal placé à ce moment-là, c'est littéralement mort pour prendre le groupe de tête. Donc j'ai une petite pression supplémentaire, même si tout va bien, parce que tout simplement, ça va être assez simple de remonter se placer, parce qu'il y a un départ fictif d'un peu plus de 1 km, et je le connais par cœur, parce que la veille, j'ai fait la Babybel Gravel, et on faisait le même départ fictif, c'est-à-dire on passait dans l'usine Babybel. Donc en fait, je connaissais le départ fictif par cœur, et du coup, grâce à ça, j'ai pu remonter sans trop de soucis, me placer à l'avant. Et en l'espace de moins d'un kilomètre, ça y est, j'avais remonté les 200 coureurs qui étaient devant moi. C'est bon, je suis bien placé. Et dorénavant, la course peut commencer. Allez, le départ réel est lancé. On part pour 150 km qui s'avère quand même assez difficile parce que les 80 premiers kilomètres sont quand même hyper difficiles. Il faut savoir qu'après les 80 km passés, c'est quasiment tout plat. Enfin, ça monte, ça descend. Mais il n'y aura plus de vraies longues montées difficiles. Donc l'objectif est bel et bien de tenir le groupe de tête jusqu'au kilomètre 80. Une fois ça réussi, techniquement, normalement, je ne devrais pas me faire lâcher et donc pouvoir aller chercher un très très bon résultat parce que le circuit me conviendra parfaitement. Donc il faut que je sois hyper vigilant pour arriver au kilomètre 15, bien placé pour la première difficulté de la journée. Et c'est seulement après 3 km que les premières attaques vont commencer, tout simplement parce que je pense que la plupart d'entre nous étaient frigorifiés. Il faisait froid, il pleuvait, et le temps, ouais, n'était pas idéal pour aller rouler de bon matin. Mais bon, assez rapidement, vous verrez, ça va se réchauffer, et il va même s'arrêter de se pleuvoir. Donc au final, on a eu de la chance, mais sur le coup, au début, il était difficile de se motiver. Donc moi, mon objectif, avant le kilomètre 15, c'est de faire le moins d'efforts possible, tout en restant assez bien placé au cas où il y a des cassures pour être dans le groupe de tête et pouvoir être acteur de cette course. Après 15 minutes de course, ça commence à attaquer de partout, ça part un par un et comme vous pouvez voir, petit à petit, il y a un petit groupe de 15 qui est en train de s'échapper et dedans, il y avait l'air d'avoir du beau monde. En tout cas, les coureurs qui y figuraient physiquement semblaient imposés parce que autour de moi, bien entendu, je ne connais quasiment personne. Enfin, je suis dans un département que je connais pas, les coureurs autour de moi, je ne les connais pas, donc je suis en totalement découverte par rapport à l'adversité. On était plus de 1000, 1500 au départ, il me semble, donc autant vous dire qu'il y avait quand même du beau monde, évidemment, au départ, et en l'occurrence, bah, je vais courir un petit peu à l'aveugle, je sais pas qui sont les adversaires, donc là, je vois qu'il y a un groupe de 15 qui est en train de sortir, et bien, j'accompagne le coup. L'idée, c'est pas de faire l'effort moi-même, vraiment de m'économiser au maximum, parce que 150 km, c'est tout de même 50 bornes de plus que les courses habituelles que je fais en Open 1, ce qui est donc
pas négligeable, ça fait quasiment une heure et demie de plus à parcourir. Donc faut que je fasse quand même le moins d'efforts possible, même si ici, comme on peut voir, je fais le jump pendant que c'est encore temps sur le groupe de tête afin de prendre aucun risque et ne pas louper ce fameux groupe de tête que je convoite tant. Allez, on se retrouve au 13e kilomètre, première difficulté de la journée. C'était une côte assez pentue, pas très longue, mais du coup par conséquent difficile pour moi. Je préfère les côtes qui sont un peu moins en pourcentage, évidemment, vu que je suis un peu plus lourd que la moyenne, eh bien ça reste des efforts qui sont assez difficiles, comme vous pouvez voir, avec plus de 400 watts constants afin de maintenir ma place dans le groupe. Après, comme vous pouvez voir, mon cœur il est très bas, alors ça... faut quand même le prendre avec des pincettes. J'ai fait une course la veille, j'ai fait la Gravel Babybel. Vous avez sûrement vu la vidéo sur ma chaîne la semaine dernière. Donc vu que j'ai fait une course la veille, j'étais un peu fatigué. Donc mon cœur va pas monter très haut en cette journée. Je crois que mon max est à peu près autour de 180. Donc ici, quand je suis à 170, eh bien je suis quasiment au max dans ce mur à 13% pour commencer la journée. Autant vous dire que là, ça pique un petit peu les jambes, mais heureusement, on avait déjà fait 13 km. Ça m'a permis de pouvoir déverrouiller un petit peu mes jambes de la veille, bien m'échauffer. Tout ça dans les bonnes conditions. Et là, dans cette première difficulté, il me semble que c'est à ce moment-là, on va pas le voir partir, il y avait un coureur élite. Alors là, tout le monde m'avait dit au départ, ce coureur-là, il va gagner. Et il se trouve que, bah évidemment, il est parti tout seul à ce moment-là, il me semble, ou à deux, mais en très petit comité en tout cas. Et ce coureur, c'était Cyril Patou, si je me trompe pas. Je m'excuse si j'écorche son prénom. Mais il se trouve que bah, ce fameux coureur, il va partir tout seul et qu'on va absolument jamais le revoir. Donc, dès le départ, techniquement, on jouait la place de deux parce que le mec, il était juste monstrueux. Il y avait 1500 personnes derrière lui, rien à faire. Il est sorti dès le départ et c'est là qu'on voit la différence entre des coureurs lambda, on va dire un peu plus comme moi, et les coureurs élites avec qui je cours un petit peu depuis le début de saison, qui sont dans un autre monde, littéralement, ils font ce qu'ils veulent sur ce genre de cyclosportive régional. Donc autant vous dire que là, j'ai pas essayé d'aller chercher, c'est pas mon problème. Moi, si déjà je vais chercher un top 15 sur une cyclosportive, c'est déjà génial. J'ai fait très peu de cyclosportives dans ma vie, j'ai toujours fait des résultats plus ou moins mauvais, parce qu'en général, les cyclosportives, ça monte beaucoup, et là, ça va être exactement la même chose, ça monte quand même pas mal. Là, on est dans la deuxième difficulté du parcours, et de toute manière, comme je vous ai dit, les 80 premiers kilomètres, littéralement, ça fait que de monter et descendre, donc ça va être difficile. Là, on est sur une montée qui va être assez longue, et vous pouvez voir que du coup, il faut maintenir à peu près 400 watts. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai pris l'habitude par rapport à l'année dernière. Là, ça se trouve, je me serais fait sortir. Mais maintenant, j'ai l'habitude de courir un peu plus avec les élites. Et c'est des efforts qui, du coup, y ressemblent. C'est-à-dire que dans le peloton élite, des fois, il faut faire des efforts qui sont sur 2-3 minutes à plus de 400 watts. Ce que je n'avais pas du tout l'habitude de faire les années précédentes. Qui, dorénavant, bon, j'ai un peu plus l'habitude, j'y arrive un peu mieux et j'ai travaillé ça à l'entraînement afin d'être meilleur sur ces efforts très courts mais très très intenses et très élevés en termes de watts. Donc là, je réussis à m'accrocher et de toute manière, je sais pertinemment que si je m'accroche pas maintenant, ma course entre guillemets pour la victoire sera littéralement terminée. Donc il faut vraiment que je donne tout maintenant pour basculer avec le groupe de tête. Et vu que je connais pas le parcours, heureusement au bout d'un moment ça finit par redescendre et là j'étais plutôt content. Parce que cette côte-là, c'était la première, et en vrai, j'ai pris un coup de chaud. Parce que j'étais super couvert, il faisait froid, donc je m'étais beaucoup, beaucoup couvert. Et là, le fait d'être monté très haut dans les tours, eh bien, j'ai pris chaud. Donc là, je vais enlever mes gants, je vais ouvrir ma veste, parce que j'avais trop, trop chaud, et c'est pas positif, ça fait monter le cœur. Donc c'est pas forcément top. Et là, maintenant, on va attaquer une grande descente. Encore une fois, vu que je connais pas le parcours, c'est assez marrant. C'est toujours ça qui est cool dans les courses en ligne. C'est qu'on découvre les routes au fur et à mesure qu'on avance. Et du coup, on se tape des descentes à plus de 60 km/h sous la pluie. Et ça, en totale découverte. Donc c'est des sensations assez particulières. Ça fait beaucoup d'adrénaline. Et pour le coup, j'aime beaucoup. J'ai pu profiter de la descente pour récupérer un petit peu. Et dans ce 17e kilomètre, on attaque une autre difficulté. Celle-ci va être beaucoup plus courte, beaucoup moins difficile, mais c'est vrai qu'elle va être montée à la même allure, à peu près 400-500 watts, même quasiment 600 watts ici, afin de rester dans les roues. Mais pour l'instant, ça va parce que finalement, les efforts sont pas très longs, c'est intense, c'est difficile, donc faut être capable de mettre beaucoup de watts, mais sur des secondes ou des minutes, mais c'est pas des longues durées, donc pour le coup, ça me permet de passer avec le groupe de tête. Je suis placé dans les alentours des 20 premiers, donc pour le coup, ça va plutôt bien. Et là, on va attaquer l'une des difficultés les plus difficiles de cette cyclosportive. Un effort qui va durer dans les alentours de 5 minutes. Alors, je ne le savais pas encore à ce moment-là. Mais ça va être un effort qui va être très long. 5 minutes, ça peut paraître très peu. Mais quand tu es en difficulté dans une côte, autour de toi, tout le monde semble facile.
Parce que encore une fois, vu que ouais, je fais 75 kilos, peut-être que je faisais 76, 77 à ce moment-là de la saison. Donc j'étais quand même en difficulté dans cette montée, toujours autour de 400 watts sur 5 minutes. Donc il faut savoir que ma PMA étant de 400 watts donc sur 5 minutes, bah, on était littéralement quasiment à mon maximum, littéralement. Donc là, l'idée, c'était de m'accrocher. Il fallait absolument, impérativement que je bascule avec le groupe de tête. Parce que après, pendant plusieurs kilomètres, ça va descendre. Donc si je suis tout seul, je ne pourrais pas rentrer. Mais si je passe avec le groupe de tête, eh bien, j'aurai le temps de récupérer et me refaire une santé. Donc là, littéralement, je vais jouer ma vie pendant 5 minutes. S'il faut que je donne 100%, je donne 100%. Parce qu'après, j'aurai le temps de récupérer et de me refaire une santé. Donc là, faut s'accrocher, c'est difficile. Mentalement, c'est horrible, ça brûle les cuisses, c'est difficile, mais je m'accroche. Et surtout que ce qui était encore plus difficile, c'est qu'autour de moi, il y avait encore beaucoup de coureurs. Le niveau, à mes yeux, je l'ai trouvé très homogène, c'est-à-dire que tout le monde avait un très bon niveau ou un niveau qui était assez similaire au mien, ce qui faisait que du coup, eh bien, on restait pas mal groupés. Alors dans cette montée, je m'en étais pas rendu compte immédiatement parce que bah, je suis bien placé, parce qu'en vrai, il y a 400 personnes, 500 personnes derrière moi encore au contact. Je suis dans les 20 premiers à peu près. Mais à ce moment-là, c'est en train d'essayer de sortir à l'avant. Ça fait un peu le job là, ça essaye de faire la différence. Et petit à petit, du coup, ça va accélérer, monter en cadence et ça va être de plus en plus difficile pour moi. Et c'est là que je vois une réelle progression entre le Quentin de l'année dernière qui a fait des cyclosportives un petit peu en montagne où je trouvais ça difficile et je me faisais sortir au moindre montée. Regardez ici, on est en haut de la difficulté, c'est en train de casser, ça explose de partout. Derrière moi, il y a une grosse cassure, il n'y a plus personne derrière moi. Il y a une quinzaine de coureurs devant moi, je fais le jump, je m'accroche. Et là pour le coup, comme vous pouvez voir, je suis à plus de 180, donc je suis au max de ma journée. Ça va être, enfin voilà, je ne vais pas monter plus haut durant cette cyclosportive, donc là je tape mon max. Et là, on bascule. Ça y est, regardez, je fais un petit sprint pour m'accrocher. Je prends le contact de la roue, mais ça y est, on a basculé avec le groupe de tête. On n'est plus qu'une vingtaine. Derrière, c'est complètement explosé. Il n'y a plus personne. Il y en a littéralement partout. C'est la bonne occasion, la bonne cassure. J'ai réussi à faire le jump au bon moment. Je suis dans le groupe de tête au 20e kilomètre après avoir passé la plus longue difficulté. Il en restera encore 2-3 jusqu'au kilomètre 80 où ça va être encore une fois difficile. Mais là, j'ai une grande partie descendante pour me refaire la santé. Je le savais, j'avais bien révisé le parcours avant le départ. Donc là maintenant, faut que je souffle, faut que je récupère. Malheureusement, dans ce groupe de 20, eh ben, personne va vouloir rouler parce que évidemment quand t'as une cyclosportive comme ça avec je sais pas, ouais, on était 1000-1500 au départ, eh ben, quand t'as pas de coéquipier pour qui te sacrifier, bah t'as pas envie de rouler pour les autres. Donc là on se retrouve à une vingtaine de coureurs. Moi j'ai qu'une envie, c'est de récupérer. Je vous avoue, j'ai pas envie d'aller aider cet échappé, enfin c'est pas du tout ma priorité pour l'instant. Vraiment faut que je survive jusqu'au kilomètre 80 et après on verra pour les stratégies de course. Mais pour l'instant c'est pas du tout une priorité. On attaque une giga descente et malheureusement dans cette descente le peloton va revenir. Alors on a perdu beaucoup, beaucoup d'éléments et je pense que le Quentin de l'année dernière aurait fait partie de ces éléments qui auraient sauté parce que littéralement, je suis vraiment un cap au-dessus, je pense, par rapport aux montées, par rapport aux difficultés sur 5 minutes, les efforts de 5 minutes, je suis quand même bien, bien meilleur que l'année dernière. Donc c'est hyper positif pour la suite, pour les courses comme l'étape du Tour ou les autres cyclosportifs que je vais avoir l'occasion de faire d'ici la fin de l'année. Je suis trop content, donc c'est que du positif, mais par contre le peloton, lui, il va revenir. Bon, j'ai bien récupéré, je suis à 140 BPM, le peloton est revenu, je suis toujours placé dans les 15-20 premiers ici, et là on va attaquer une difficulté encore plus difficile. Et ça, je m'y attendais pas, je vous avoue, parce que je pensais avoir fait la grosse, grosse difficulté la côte d'avant, et en fait la vraie grosse grosse difficulté, eh ben, elle est maintenant. Donc comme vous, je suis surpris à ce moment là, et là je me dis ok, ça va être long, et j'espère qu'une chose, c'est que ça monte pas trop vite, parce que tout à l'heure j'ai fait un gros effort pour tenir, mais là ça va être difficile pour moi de refaire encore le même effort. Encore une fois, je sais que faut que je passe les côtes avec le groupe et que dans les descentes j'aurai largement l'occasion de récupérer. Donc dans cette montée, eh ben, je vais suivre. Alors vraiment en difficulté sur celle-ci, hein, sincèrement là j'étais très très juste à la limite de péter, j'ai vraiment tenu au moral. Heureusement dans cette montée il y avait des petites portions de replat, mais comme vous pouvez voir là on est à 14% indiqué au compteur. Et heureusement qu'il y avait des petites portions où ça, enfin c'était des replats, quand je dis des replats il y avait peut-être 8% au lieu de 14, mais des petites redescentes qui permettaient de récupérer et de souffler un peu au niveau des jambes qui me brûlaient littéralement après pour réattaquer les parties difficiles. Et ça m'a permis comme ça, en fait j'aime bien les montées, on va dire, qui sont
pas régulières, qui sont avec des replats. Dès qu'il y a des replats, ça me permet de me refaire la santé. Et c'est ça qui m'a vraiment sauvé dans cette montée, dans cette difficulté qui était difficile, littéralement à la limite de, pour moi de sauter. Et là, du coup, on va perdre encore une fois beaucoup d'éléments par l'arrière. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là de la course, et je vais le découvrir un peu plus tard, c'est qu'il y a une échappée qui va sortir. Alors le coureur élite Cyril Patou, là, il est devant depuis le début. Lui, comme je vous ai dit, il va gagner la course, mais on va pas s'en préoccuper. Par contre, il y a une échappée, on va dire que c'est ça l'échappée, pas un groupe de compte, mais bel et bien une échappée, qui va sortir de 5, 10 coureurs. J'en sais rien, parce que en fait, je l'ai pas vu partir à ce moment-là, pour être sincère. Donc là, après, à froid, je me pose la question, est-ce que si j'avais été mieux placé, parce que là, je ne l'ai pas vu l'échappée partir, hein, parce que je ne suis pas assez bien placé. Les routes sont très très étroites. Regardez, on peut être que de 2 de front. Donc même en étant en 15-20e position, finalement, je suis assez loin de la tête du peloton, ce qui fait que je ne peux pas accompagner les échappées. Donc là, est-ce que si j'avais été mieux placé, j'aurais pu accompagner? On ne saura jamais, mais je ne pense pas. Sincèrement, quand je vois la difficulté que j'ai eu à monter cette côte, je pense que je n'aurais pas été en mesure d'accompagner une échappée à ce moment-là de la course. Faut savoir que cette échappée-là va faire un long bout de chemin, mais ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, un peu déçu de ne pas faire partie de cette échappée, mais quand je vois que je suis à plus de 600 watts ici juste pour tenir dans le peloton, je ne pense pas que j'étais capable, donc pas de regret. De toute manière, ils sont moins d'une quinzaine à l'avant, donc on joue toujours un top 15 à ce moment-là de la course, et moi, un top 15 pour une cyclosportive avec plus de 1500 partants au départ, je signe directement. Donc la course n'est pas perdue, il reste encore plus de 130 km à parcourir. Je peux vous dire qu'il y a encore du boulot. Et je profite d'une nouvelle descente à plus de 70 km/h pour remonter, me placer à l'avant. Effectivement, vu que j'ai perdu pas mal de positions dans la côte précédente, je profite de cette descente pour remonter, me placer le maximum à l'avant du peloton. Parce que je le sais, c'était pas la dernière côte du parcours. Et à ce moment-là de la course, autour du 28e kilomètre, c'était un moment difficile à gérer parce qu'en fait, ça attaquait de partout. Il y avait des mecs qui étaient quand même plus forts que moi, je pense, globalement, qui faisaient que d'attaquer. En fait, ils essayaient vraiment de faire la différence. Eux comme moi, on le savait tous, à partir du kilomètre 70-80, il n'y a plus de difficulté pour faire la différence, ça se fera à la pédale, à l'usure, mais les difficultés, elles sont maintenant. Donc tous les coureurs qui veulent vraiment faire la différence, bah, ils essayent de le faire maintenant. Donc moi, il faut que je limite la casse dorénavant, il faut que j'accompagne les coups, tout en étant raisonnable, parce qu'il faut quand même finir la cyclosportive, il ne faut pas que j'aille trop au-dessus de mes moyens, il ne faut pas que j'aille jusqu'à la rupture. Donc j'accompagne, j'essaye de faire le moins d'efforts possible, j'essaye de ne pas prendre de relais bêtes, et du coup, de vraiment être économe sur ce début de course. Et quelques kilomètres plus loin, il y a un groupe qui est bel et bien en train de sortir, et là je me dis c'est le moment, parce que derrière ça explose de partout, il y a clairement des grosses cassures, ça bordure, il y en a partout, ça flingue depuis tout à l'heure. Et là, il y a un coureur, regardez, je mets 500 watts pour rester au contact de sa roue, il fait un gros gros effort, derrière ça a cassé. Donc là, en fait, on est en train de sortir du peloton, on est littéralement en contre, parce qu'il y a toujours le groupe d'échappés à l'avant. Et du coup, ça y est, on est sorti une nouvelle fois du peloton, on est revenu sur ce petit groupe, et là, je me dis, ça y est, on l'a fait, on a réussi à prendre un groupe d'échappés. On est sorti du peloton, maintenant, il faut que je m'accroche et que je serre les fesses au sein de ce groupe. Ce que je vais faire, et là, ça va rouler très très fort pendant de nombreux kilomètres. Effectivement, derrière, ils ne se laissent pas faire. En fait, le truc, c'est qu'il y avait encore trop de monde dans le peloton, ce qui fait qu'il y avait toujours quelqu'un pour rouler. Et au final, bah, ils ne nous laissaient pas partir. Donc là, moi, j'accompagne cette échappée. Je donne tout ce que j'ai pour m'accrocher. Regardez, il faut mettre des 500, 600 watts. En fait, ça roule vraiment très très fort. C'est littéralement quasiment aussi dur que les courses FFC, hein. Là littéralement c'est une vraie course. De toute façon, les coureurs autour de moi, c'est tous des coureurs licenciés FFC quasiment, hein. Faut pas se le cacher, le mec qui est en train de rouler devant, c'est un coureur de Saint-Herblain qui est dans une DN, donc une team de division nationale. Enfin voilà, globalement le niveau autour de moi, il est vraiment haut. Donc là je me dis, je suis dans un groupe idéal, je suis avec des coureurs expérimentés, des coureurs qui sont forts, donc faut que je m'accroche. Faut que je m'accroche, mais surtout faut que le peloton il lâche, parce que là pour l'instant on est en train de faire des efforts assez conséquents, et tout ça pour rien parce que le peloton il veut pas nous laisser partir. Et c'est après 5-6 km que le peloton va revenir sur nous, donc là j'étais un peu frustré, et il y a ce gars là devant moi qui va prendre un relais de malade mental pendant je sais pas combien de kilomètres, et il va me demander un peu de passer, moi je vais lui dire non, moi je vais pas rouler, en fait je vais pas rouler devant le peloton. Il y a 300 mecs dans la roue, je vais pas rouler et me sacrifier bêtement pour 300 mecs là, ça a aucun sens. Moi je veux juste survivre jusqu'au kilomètre 70 pour pouvoir après aligner le sprint. Globalement c'est ça le concept. Donc là je vais pas lui prendre de relais, désolé à toi, mais pour le coup la situation faisait que j'avais aucun intérêt à l'aider. Donc du coup il va prendre un gros gros relais, donc je sais pas si c'est un coureur FFC ou si c'était un spécialiste des cyclosportives, mais ce qu'il en est c'est que
stratégiquement, c'était pas vraiment le bon choix pour lui que de faire ça. Là, il perd beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Et moi, du coup, je vais essayer de me reposer un maximum pour récupérer. Et après avoir bien récupéré, je décide de me replacer un tout petit peu plus à l'arrière parce qu'ici, en deuxième position, je commençais à prendre le vent, donc c'était pas idéal. Donc je redescends stratégiquement, me replacer dans les 15 premières positions du peloton. On est dans l'avant-dernière grosse difficulté du parcours, environ au 43e kilomètre. Et là, c'est assez difficile, hein, littéralement, ça monte vraiment beaucoup. Et j'étais surpris parce que c'est pas monté fort du tout. En fait, j'avais une sensation qu'autour de moi, enfin j'extrapole un petit peu, mais que tout le monde avait la flemme. Vraiment, je trouvais ça particulier par rapport aux courses FFC où il y a toujours des mecs qui attaquent, ça relance. Là, alors on est sur une cyclosportive, c'est normal, c'est différent, faut prendre ça différemment. On est vraiment sur des courses d'usure, des courses qui se font plutôt sur la fin, avec les endurances qui sont bien entamées, les réserves qui sont vides. Et là, en l'occurrence, bah, cette montée-là, le fait qu'il y a déjà une échappée, qu'il n'y a personne qui ait trop envie de sortir ou qui soit vraiment au-dessus du lot pour sortir, eh bien, je trouve que c'est monté plutôt tranquille. Et alors, autant vous dire que moi, une montée de moins à faire, eh bien, c'est une chance de plus d'aller chercher un résultat à la fin de cette course. Donc là, j'étais trop content de cette montée qui a été vraiment faite au train. Et il se trouve qu'en plus, entre les montées, à partir de là, eh bien, ça roulait plus si fort. Vraiment, il y a des moments où j'ai été voir un coureur et je lui dis, mais il y a combien de mecs devant? Parce que pourquoi ça roule plus? Pourquoi plus personne n'a envie de rouler? J'avais quand même une part de frustration qui me disait, mince, il y a une échappée d'une dizaine de coureurs. Si on revient pas dessus, bah c'est 10 coureurs qu'on pourra pas battre. Donc je relativisais en me disant que la course était encore très longue, il y a encore 110 km à parcourir, donc il y a encore le temps de potentiellement revenir sur cette échappée. Mais sur le coup, je me disais, waouh, ça roule pas très vite. Et du coup, jusqu'au kilomètre 53, 10 bornes plus tard, bah ça s'est plutôt bien passé, hein, sincèrement, j'ai pas forcé beaucoup. Je suis resté au chaud, au plein cœur du peloton, et tout allait bien. Et là, on attaque la quasiment dernière grosse difficulté, en tout cas si on regarde le dénivelé visuellement, c'était la dernière vraie difficulté. Donc là je sais dans ma tête que faut tout donner dans cette montée pour rester dans le groupe de tête. Si ça attaque, faut que j'accompagne, parce qu'en gros c'est la dernière vraie difficulté. Tout le reste de la cyclosportive, les 100 prochains kilomètres, normalement sur le papier je suis capable de le passer avec les meilleurs. Donc là maintenant, bah faut que je m'accroche, parce que cette difficulté, elle va être vraiment, vraiment difficile. En fait, ça va durer un peu plus de 5 minutes, même 7 minutes. Donc là, c'était long. C'était très, très long. Encore une fois, je vais me rapprocher des 180 BPM, donc de mon max de la journée. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Ça monte très fort, toujours à plus de 10%. C'est vraiment des gros, gros taquets. Et du coup, je m'accroche, même si, regardez, je perds quelques positions. Hein. C'est vraiment difficile. Et heureusement, c'est qu'à ce moment-là de la course, on est encore très nombreux dans le peloton, mine de rien. Comme je vous ai dit, le niveau il était assez homogène, ce qui faisait que bah, dans ce peloton, on était encore beaucoup. Ce qui fait que, vu que je suis bien placé là dans les 20 premiers du peloton, si je recule, bah, je reste au sein de ce peloton. Et ça, c'était une vraie chance. Et c'est encore une fois l'importance du placement. Ici, sur cette cyclosportive, de toute manière, depuis le début de la course, j'ai couru à la perfection. J'ai accompagné les coups quand il fallait. J'ai réussi à prendre les bonnes cassures à l'avant dans les grosses difficultés, donc ça prouve que j'ai le niveau. Niveau placement, j'ai toujours été idéalement placé, soit pour bien être caché, soit pour accompagner les coups dans les moments importants. J'ai tout fait parfait. Et d'ailleurs, c'est là que je me dis, faut que je fasse la même chose sur les courses élites. Si je faisais pareil en course élite, eh bien peut-être que je ferais des bien meilleurs résultats. Donc là, c'est quelque chose que je vais garder en tête pour les prochaines courses élites. Est-ce que j'arriverai à l'appliquer? Ça, c'est un autre débat, parce que le niveau, ça n'a rien à voir. Et au final, je vais réussir à passer cette montée avec le groupe de tête, sans prendre de cassure. En gros, globalement, de toute façon, depuis le début de la course, j'ai pris aucune cassure négative. J'ai toujours pris les bonnes cassures. Donc en fait, je prouve que je fais partie, on va dire, des meilleurs, entre grosses guillemets, de cette cyclosportive au sein de ce peloton. Donc je le sais, je suis en forme, j'ai des bonnes jambes. Maintenant, bah, il y a encore 100 km, un peu moins de 100 km à parcourir. Ça va être long, c'est 50 bornes de plus que ce que j'ai l'habitude de faire en course. Là, en gros, il me reste encore une course FFC à faire, littéralement en termes de kilomètres. Donc maintenant, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est maintenir, bien s'alimenter et réussir à aller jusqu'au bout de la course au sein de ce groupe ce peloton, et essayer de travailler en termes d'endurance. Et 5-6 km après, je rallume la caméra parce que, en fait, je me fais surprendre par un petit mur, hein, mine de rien. C'était une belle côte, une belle difficulté, et encore une fois, entre les côtes, ça roulait pas très fort, mais regardez, là, je suis obligé de mettre 900 watts pour m'accrocher au sein de ce groupe. C'est vraiment difficile, cette montée, elle a été très très dure, ça m'a mis un peu dans le dur,
Et heureusement, j'ai réussi à passer avec le groupe de tête. Mais là, ça a énormément étiré le peloton. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'est fait surprendre ou si tout simplement, elle était vraiment difficile. Mais en tout cas, le peloton s'est énormément étiré. Ce qui fait que c'est très propice aux cassures et donc potentiellement aux échappées. Mais encore une fois, je suis extrêmement bien placé. Regardez, je suis dans les 10 premiers. Donc, en fait, je peux accompagner les coups. Et au final, vu que je suis bien placé, il n'y a pas d'élastique. Je peux récupérer rapidement, et regardez, je suis à 120 BPM à ce moment-là, j'ai déjà récupéré de la difficulté qu'on vient juste de passer, donc là je suis déjà capable d'accompagner les éventuelles attaques, et en l'occurrence c'est pas des attaques qu'il va y avoir, mais des accélérations au sein des montées, parce qu'encore une fois on se tape une belle montée ici, on revient sur des coureurs du 60 km, donc le parcours le plus court, qui était parti un petit peu avant nous, donc faites pas gaffe aux mecs sur qui on revient, ils font pas partie de notre course, mais là ça monte très très vite, de toute façon vous voyez la différence de vitesse par rapport aux gens qu'on double, c'est quand même assez difficile, là faut serrer les fesses, on est à plus de 400 watts, et comme je vous l'ai dit, moi quand je suis au-dessus de 400 watts, je ne peux pas tenir plus de 5 minutes, surtout que là, on a fait beaucoup d'efforts depuis le début de course, donc là, c'est des efforts qui sont quand même importants, mais encore une fois, derrière moi, c'est en train d'exploser, il y a des grosses cassures, vraiment, on est en train de faire la différence là. Donc moi, quand je vois que ça casse de partout derrière, bah je me dis que c'est le bon moment pour insister, en plus là, on est dans une descente qui était hyper sinueuse, et regardez, il y a des cailloux partout, c'est hyper technique, ça glisse, on double des coureurs du 60 km, donc là c'est très très technique, mais derrière moi, il y a une grosse grosse cassure qui est en train de se faire, effectivement, les gens ils ont peur, ou ils veulent pas prendre de risques, moi j'accompagne, je suis plutôt habile sur mon vélo, ça se passe plutôt bien, en plus je suis frais et je suis lucide, ce qui me permet de prendre des bonnes trajectoires, je suis en quatrième position de ce peloton, donc en fait je suis littéralement dans la meilleure position possible pour ne pas faire, enfin, faire le moins d'efforts possible tout en accompagnant le coup. Et là, on est en train de sortir du peloton. Autant vous dire que là, j'avais l'adrénaline, on roule à plus de 60 km/h. Et j'étais trop, trop content d'être aussi bien placé à ce moment-là de la course. D'autant plus que je le sais, on a fait toutes les grosses difficultés du parcours. Dorénavant, il reste 70-80 km à parcourir uniquement. Quasiment de plat ou de faux plat, mais en tout cas il y a plus de giga col là de montée là de malade que je suis pas capable de passer forcément. Donc là dorénavant il reste le plus facile pour moi, c'est-à-dire rouler fort et vite. Donc là je sais que si je figure dans un groupe ou même si ça arrive en massif, bah je suis capable d'aller chercher un très très bon résultat. Sauf que à ce moment-là il va se passer un truc, c'est que il y a un gars il va me dire Quentin t'as crevé. Et là c'est la désillusion. Je suis sur la jante, En fait, j'ai dû crever dans la descente, là où il y avait les cailloux. Donc, je suis dégoûté. Donc là, faut que je démonte, faut réparer. Au fond de moi, je le sais, je pense que c'est impossible de revenir sur ce groupe de tête. Le temps de réparer, ça prend quelques minutes. Donc, ça va être très, très compliqué. Je répare une première fois. Et quand je veux repartir, en fait, c'est encore sur la jante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la précipitation, j'ai pas vérifier le pneu, et il se trouve qu'en fait il y avait un gros caillou pointu au milieu du pneu, hein, c'est pas la faute du pneu, juste la route était dégueu, il y a eu beaucoup de crevaisons, hein, j'ai pas été le seul, je l'ai appris un petit peu plus tard, mais j'étais loin d'être le seul à avoir crevé. Du coup, en fait, après avoir réparé une première fois, je recrève une deuxième fois, et il faut savoir que avant le départ, j'avais déjà crevé à l'échauffement, donc j'avais déjà changé ma chambre à air une fois, donc les deux chambres à air avec lesquelles j'étais venu à cette cyclosportive, j'en avais plus. Donc là, je me retrouve dans une situation où je suis crevé et je n'ai plus de chambre à air. Et là, je me dis, la catastrophe. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant 40 minutes, littéralement, je vais rester ici. Il y a d'abord une personne qui va s'arrêter avec un vélo cargo, qui va me passer une chambre à air, et qui, en fait, c'était pas du tout une chambre à air adaptée à mes roues, donc je vais lui rendre sa chambre à air. Ensuite, il y a un autre coureur qui va s'arrêter, il va me donner une chambre à air, et il se trouve que je vais remonter ma roue dans la précipitation encore une fois, et au moment où je regonfle la roue, la valve n'était pas assez longue. J'ai des roues de 40, donc il me faut des valves de 60, et il m'a filé une valve de 40, je crois. Donc en fait, je ne pouvais pas regonfler la chambre à air. Donc je redémonte une troisième fois, ou une quatrième, je ne sais plus à combien j'étais rendu au bout d'un moment. Et du coup, au final, il y a un coureur qui va s'arrêter et me donner sa chambre à air une nouvelle fois. Donc je le remercie, parce que sans lui, je ne repartais pas, tout simplement. Je vais réparer une fois encore mon pneu. Et après ces 3 ou 4 réparations, je vais enfin pouvoir repartir. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, au moment où je vais repartir, le mec qui m'a filé sa chambre à air, il crève.
Il crève, du coup il avait une chambre à air, heureusement pour lui, une autre chambre à air. Parce que du coup je me sentais bête, je venais de prendre sa chambre à air et il crève au même moment que moi. Et donc bah, pour moi il est temps de repartir. Bon allez, après une bonne demi-heure de pause, c'est reparti. Les premiers du 110 sont passés. Donc voilà, on va essayer de rouler un peu et voir ce que ça donne à mon rythme. Et on verra. Bon, je le savais pas encore, j'étais 564e quand je suis reparti. C'est une dinguerie quand tu sais que j'étais dans le groupe de tête il y a encore très peu de temps et que je jouais environ un top 15. Je suis 564e et au moment où je repars, il se trouve qu'il y a le groupe de contre, donc qui jouait la deuxième place ou la troisième place il me semble, qui passe devant moi, mais le groupe de contre du 115 km. C'est-à-dire la distance inférieure, qui sont partis une demi-heure après nous. Mais vu que moi j'ai fait 40 minutes sur le bord de la route, bah au final, ils m'ont rattrapé. Donc là, il y a à peu près ouais, deux ou trois coureurs qui sont devant, qui jouent la gagne. Et ensuite, il y a ce deuxième groupe qui est ici, un groupe d'une dizaine de coureurs. Et du coup, je vais prendre la roue, parce que là, moi, il me reste encore 80 bornes à parcourir, mine de rien. 80 bornes tout seul, et bah c'est un peu long. Donc là, je me dis, ok, bah je vais pouvoir faire quelques bouts de chemin avec eux, parce qu'au bout d'un moment, eux, ils vont tourner et ils vont finir leur cycle sportif, alors que moi, je vais devoir continuer pour parcourir mes 150 km. Donc là, je sais que j'ai 30 bornes environ que je vais pouvoir parcourir avec eux. Donc du coup, ça va être trop cool, parce que je vais pouvoir suivre la course, pas pour la victoire, mais pour les places d'honneur de la course 115 km. Enfin là je pouvais pas être plus aux premières loges, je suis littéralement dans la roue. Donc là c'était trop cool, j'ai pu profiter de tout ça. En plus de ça, il y avait 4 coureurs du club de Vitré, et il me semble que c'est les mêmes coureurs qui m'avaient encouragé la veille à la Babybel Gravel. Donc c'était trop cool, j'ai pu les voir un petit peu s'organiser, rouler ensemble et profiter de tout ça. Mais après 20 ou 30 km passés avec eux, bah il était temps que pour eux d'aller jouer leur place, parce que eux, bah, c'est terminé pour eux, ils tournent sur la droite et ils vont rejoindre la ligne d'arrivée. Et moi, je continue tout droit et il me reste encore, il me semble, 60 ou 70 bornes à parcourir à ce moment-là de la course. Donc là, c'est un petit coup au moral parce qu'en fait, je me retrouve un peu esselé avec des coureurs qui sont techniquement, je dis bien entre guillemets, moins forts que moi, vu que du coup, bah, ils sont mis 40 minutes de plus à arriver à cet endroit-là parce que moi, j'ai fait une pause de 40 minutes pour réparer mon pneu. Donc normalement, ils sont moins forts que moi. Donc je vais pas trop me poser de questions. Et là, je vais me dire un truc, c'est que la semaine d'après, je vais faire une course élite. Une course très importante, ça va être ma toute première course par étape. Je vais participer au book de la Charente-Maritime. Donc c'est une course qui est très importante pour moi. Donc faut que je progresse, c'est des étapes de 160 km. Ça correspond un petit peu à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je me dis, vas-y Quentin, tu te mets au seuil et tu roules. Tu roules et tu roules. Et il se trouve que de temps en temps, bah, du coup, il me prenait des relais. Comme ici par exemple, il me prenait un relais tous les 10 bornes, mais mine de rien, mentalement, ça aidait. Hein. Sincèrement, merci à tous ceux qui m'ont pris des relais. Ça faisait plaisir. Et puis en plus, ça me permettait de soulager un petit peu mes jambes. Même si j'ai passé 90% du temps devant, eh bien, c'était très cool. Moi, ça m'a permis de faire des efforts au seuil. Évidemment, là, la victoire, ça va être impossible. Mais l'objectif, ça va être quand même d'aller chercher le meilleur résultat possible. Vous savez, c'est un peu la devise de la chaîne. Donc, si je peux remonter des positions, parce que là, depuis tout à l'heure, on rattrape des coureurs un par un. Évidemment, petit à petit, on grappille des positions. On rattrape des coureurs à l'unité. On rattrape des groupes. On les double, on les dépose. Et l'objectif, ça va être de remonter comme ça un maximum de positions. Et quand je suis reparti, j'étais 564e. Et là, maintenant, on est à bientôt 30 ou 40 bornes de la fin. Je suis remonté 449e quand même. Donc, j'ai remonté plus de 100 coureurs sur l'espace de 30 km. Donc, mine de rien, c'est pas mal, on fait un bel effort. Là, je m'arrête au ravito parce que de toute façon, je joue plus la gagne. Donc, je fais au moins m'hydrater un petit peu parce que j'étais complètement à sec au sein des bidons. Après, je vais pas traîner. Je vais mettre le plus rapidement possible de l'eau dans mes bidons parce que mon objectif, c'est toujours le même, c'est remonter un maximum de positions, et moins de temps je passe au ravito, mieux ça sera pour remonter des positions. Et après plus de 40 ou 50 bornes avec quasiment 20 ou 30 personnes dans la roue, c'était toujours plus ou moins les mêmes, j'ai pris un gros relais, parce qu'en fait j'aperçois au loin un gros peloton. Et là je me dis quoi? Si je reviens sur ce gros peloton, je vais gagner un max de positions. Et ça fait plaisir. Donc là j'ai pris un gros relais, ce qui fait que j'ai fait péter tout le monde dans mon groupe, sauf un. D'ailleurs, grosse dédicace à toi si tu te reconnais. Il y a un coureur qui du coup a réussi à s'accrocher. Et sincèrement, c'était... Enfin voilà, j'étais quand même bien amoché, donc j'étais pas si fort que ça. Mais j'ai quand même roulé très fort, toujours au-dessus de 250 watts, 300 watts. En fait, j'étais à mon seuil, 180 BPM quasiment sur ce moment-là. Ça fait 50 bornes que je roule fort. Et là, à ce moment-là, je roule
très fort. C'est-à-dire que je me mets vraiment au maximum afin de revenir sur ce gros peloton qu'on aperçoit, parce que je le sais, c'est maintenant ou jamais. Il nous reste à peu près 10-15 bornes à parcourir pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Faut que je revienne maintenant. Parce qu'en fait, dans les grands bouts droits ou les descentes, le peloton qui était devant moi roulait plus vite. C'est normal, c'est l'effet de groupe. Donc là, dans cette petite montée, c'était des faux plats un petit peu sinueux. Et bien, à chaque fois que ça montait un petit peu, je me rendais bien compte que je gagnais du temps sur ce peloton. Donc dès qu'il y avait des montées, je m'étais vraiment bouché double et je me mettais taquet dans les descentes, regardez, à plus de 50-60 km/h afin d'essayer de revenir en fait sur ce groupe. Là, je me donne vraiment à fond pour faire la jonction. Et après une vingtaine de kilomètres de chasse, je reviens au contact de ce groupe. Encore une fois, le coureur qui a réussi à faire la jonction avec moi, je tenais à le remercier parce qu'il m'a pris un ou deux relais sur les 30 bornes. Mais c'était des relais qui symboliquement m'ont beaucoup aidé parce que moralement, ça m'a permis de souffler, de relâcher un petit peu les jambes et surtout d'avoir un peu d'encouragement parce qu'il m'a encouragé. Il m'a remercié aussi, donc c'était trop cool. C'était une belle rencontre. On a pu discuter comme ça après la ligne et puis se remercier. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que dorénavant, il reste à peu près 10 km à parcourir et je suis revenu sur ce gros et beau peloton. Donc dorénavant, je vais directement me remonter, me placer à l'avant de ce groupe afin de ne pas prendre de cas sur bête. Et après 6-7 km à avoir bien soufflé, bien récupéré au sein de ce groupe parce que j'avais pris vraiment un coup dans la tronche, on va arriver dans cette petite montée, il y a des coureurs qui vont accélérer et moi j'attendais que ça de pouvoir faire la course. Je commençais à m'ennuyer, j'étais venu pour m'entraîner, progresser pour les boucles de la Charente-Maritime la semaine d'après. Et donc dans cette montée, je vais me mettre au seuil. Je vais pas attaquer littéralement, mais par contre je vais monter très très fort, hein. vous pouvez le voir, 700 watts. L'idée c'était de sortir et de faire un petit peu le coup 10 km. Un peu une simulation course. Il nous reste 7 km à parcourir, 6 km il me semble. Donc là en fait, on part pour un effort qui va être tout de même assez long, à peu près 8 minutes. Mais là, l'objectif c'est vraiment de me mettre à 200% et d'arriver à l'arrivée de cette course complètement minable. De toute manière, ça fait 90 bornes que je suis quasiment tout seul. L'idée c'était vraiment de faire un effort type course pour la fin de celle-ci afin de progresser. C'était pas dans un intérêt de faire péter tous les cyclos qui étaient derrière. Ça n'a aucun intérêt, enfin c'est pas une fierté du tout. L'idée c'était bel et bien de m'entraîner en terminant avec un bel effort, ce que je vais réussir à faire ici. Et il faut savoir que dans ma roue, il reste un coureur. Et c'est pas le même que tout à l'heure, dommage, mais il y a un seul coureur qui a réussi à s'accrocher. Et du coup, mentalement, moi ça me met du challenge. Je me dis ok, il y a un coureur qui a l'air en forme, je veux le battre. Et malgré tout, bah, je vais pas lui demander de relais. En course, j'aurais demandé des relais parce que j'avais besoin d'aide en vrai dans ce moment-là de la course. Mais je suis ici pour me dépouiller, donc je me dépouille, je donne tout ce que j'ai et j'essaye de finir le plus minable possible. Et après 2-3 km complètement à la planche, eh bien il commence à sentir que je faiblis un petit peu. Et du coup, ce fameux coureur va me prendre un relais. Encore une fois, merci à lui, il n'était pas du tout obligé. Et il va me prendre un petit relais, on va tourner un petit peu. Il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir. Donc là, l'idée, c'est quand même qu'on aille au bout, hein, pas qu'on se fasse reprendre par le peloton. Parce que le peloton, lui, il n'a pas chômé derrière. Hein, les coureurs derrière, parce que ça avait beau être des cyclos, enfin, j'extrapole en disant ça, il y avait quand même des coursiers dedans. Hein, donc eux aussi, ils voulaient venir nous rattraper. Ils voulaient faire la course aussi. Il nous reste ici 2 kilomètres à parcourir. Et on continue de grappiller des positions. Regardez, petit à petit, on revient sur des coureurs. Et là, je peux vous dire que je suis vraiment, vraiment amoché. J'ai mal partout. Ça fait 5 heures qu'on est parti. Et j'ai pas l'habitude de faire des efforts aussi longs. Donc, c'était un super entraînement. Finalement, c'est un mal pour un bien. Je ne saurais jamais quelle place j'aurais fait si je n'avais pas crevé. Faut savoir que sur cette cyclosportive, au moment où je crève, on était encore, je pense, un peu plus d'une centaine dans ce peloton. Et il faut savoir que dans ce peloton, ils sont venus sur l'échappée. Déjà, dans un premier temps. Donc ça veut dire qu'on jouait la troisième place, qu'ils étaient deux devant avec le coureur élite. Donc on jouait une troisième place si j'avais pas crevé. Et ils sont arrivés quasiment en sprint massif. Il y a quelques coureurs qui sont arrivés un petit peu à l'unité, qui ont dû sortir dans les derniers kilomètres, j'en sais rien. Et ensuite, il y a eu un sprint massif. Et vous savez, c'est ma spécialité. En cyclosportive, j'en ai jamais fait, mais je pense que j'aurais eu largement le niveau. Et je pense que j'aurais pu aller chercher vraiment un superbe résultat. Donc je suis ultra déçu d'avoir eu cette crevaison, mais malheureusement, vu le caillou que j'avais dans le pneu, j'y pouvais rien. Là, pour le coup, tubeless, chambre à air ou quoi que ce soit, ça aurait été la même galère. J'aurais crevé de la même manière. Donc là, c'est dommage, je suis déçu, mais j'ai quand même réussi à faire un bel effort, et ça, c'est hyper important.
et c'est exactement dans la même côte que la veille, à la Gravel Babybel, où j'avais attaqué pour faire le coup du kilomètre avec mon adversaire de la veille, que je vais faire le même effort afin de réussir à finir cette cyclo-sportive en solitaire. Je vais arriver bien, bien longtemps après les premiers, vous vous en doutez, et je vais surtout arriver dans une position qui n'était pas du tout prévue. Je vais finir 415e sur 1200 au départ. Alors c'est un résultat qui est complètement anecdotique. Évidemment, j'ai fait littéralement 38 minutes sur le bord de la route. Donc si j'avais passé un peu moins de temps sur le bord de la route, j'aurais peut-être fait un meilleur résultat. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça peut arriver. Faut mieux que ça arrive aujourd'hui que la semaine d'après au Bouc de Charente-Maritime, qui pour le coup est une course élite FFC. Je traverse cette ligne et je pensais vraiment pas à un moment que j'allais réussir à le faire, hein, parce que quand je suis resté 38 minutes sur le bord de la route, je pensais vraiment pas réussir à finir cette cyclo-sportive. Donc je suis très heureux d'avoir terminé cette cyclo-sportive. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette démonstration de persévérance vous aura quand même motivé. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Il n'aurait pas franchi la ligne d'arrivée sur cette épreuve. Il faut rappeler qu'au départ, voilà, on va passer peut-être un peu de musique, je vous laisse. Voilà, quelques notes de musique et on se retrouve bien sûr là. Pour les derniers flash informations aujourd'hui. Avec encore une bien belle journée. Non, par contre, ça fait un bon entraînement pour la suite. Ça fait des bons efforts pour la semaine prochaine avec un week-end important pour moi. Donc on verra la semaine prochaine maintenant. Oui, 7 kilos, ça doit gêner bien sûr dans les difficultés qu'il y a. Oui, donc c'est bon.